Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir, c'est la tournée des partenaires. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On va découvrir un des partenaires pour le programme Ambassadeur DefiTech 2019-2020. Vous le savez, chaque ambassadeur va recevoir près de 20 000 euros de cadeaux, 44 produits que vous pourrez utiliser chez vous, garder pour vous. Alors, on a voulu faire le tour des partenaires. On est ici chez Dalk. Bonjour Cindy. Bonjour Thomas. Très, très heureux d'être ici avec toi. Pareil, je suis très ravie que vous soyez là. Eh bien, alors, est-ce que d'abord... Dalk, on va rapidement expliquer, c'est un importateur et un fabricant. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs marques de produits, c'est normal. Il distribue plusieurs marques, en tout cas chez nous, il distribue plusieurs marques. Et donc, on va un peu faire le tour. Tout d'abord, est-ce que tu es contente de faire partie du programme partenaire? Je trouve ça génial, une idée absolument extraordinaire, parce que j'ai vraiment envie d'avoir le ressenti et avoir un bon feedback sur les produits. Alors, on va un peu faire le tour des produits parce que on va rapidement résumer. Tu distribues, donc tu fabriques trois produits ici, majoritairement trois produits. Le fameux, et on ne peut pas passer à côté, c'est quand même... C'est parce clair. Qu'en plus, tu as prévu dans le programme d'offrir aux ambassadeurs des produits premium. Haut de gamme, donc, tout à fait. Des très beaux produits. Donc, on va... Voilà. Donc on a ici le cuiseur vapeur de Gelin qui est entièrement fabriqué en Belgique. Donc ça, c'est notre plus grande fierté. On est vraiment sur un produit haut de gamme, très, très bonne qualité. C'est de l'inox, du verre, enfin vraiment de quoi réaliser de donc, super plats. Parce qu'on a, on a toujours l'image du cuiseur vapeur plastique. On connaît les autres marques qui le font. Là, on est sur un premium haut de gamme, 100% fabriqué ici en Wallonie, à Courcelles, dans le Hainaut. Il faut quand même le dire parce que c'est courageux des entrepreneurs qui ont le courage de fabriquer ici. Si vous nous suivez d'une façon ou d'autre blog, je partage mon avis à ce sujet-là. Le cuiseur vapeur de Gelin qui est d'une valeur de 300 euros que vous offrez. Et donc, vous attendez vraiment que les ambassadeurs découvrent. Ouais. Un autre produit que vous fabriquez, comme ça, on aura... On est sur là, les produits que vous fabriquez. Explique-nous un petit peu la friteuse. Donc, friteuse en aluminium Cuvinox de Reka. Donc, vous avez aussi 3200 watts au niveau de la puissance. Vous avez une montée rapide en puissance, comme ça, votre huile cuit moins longtemps. Vous avez des frites qui sont bien croustillantes et surtout une huile qui reste bien propre. Et alors, vous avez vraiment une qualité de panier supérieur qui va vous permettre, en fait, de devoir moins nettoyer votre friteuse. Et ça, c'est pas négligeable aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Alors, c'est peut-être très bête alors qu'on est en Belgique, mais aussi comment bien cuire ses frites. C'est important parce qu'il y a des techniques et c'est toujours des choses qu'il ne faut pas faire, en tout cas, avec les friteuses. Là, bon. Un mythe. Est-ce que ça se présente? Mais oui, il faut quand même le présenter. Nous sommes sur le gaufrier. Frifri, anciennement Nova, parce qu'il faut quand même le dire, l'origine est de là. Vous fabriquez toujours ça ici? On fabrique toujours ça ici. Alors pourquoi mettre ça à disposition des ambassadeurs? C'est quoi? Qu'as-tu voulu faire avec ça? Pourquoi le gaufrier frifri? Parce que justement, c'est un mythe en fait. Oui. Donc, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément un gaufrier. Et qui achètent, enfin, ou un gaufrier de cette génération, enfin, de ce type-là. De cette qualité-là aussi. De cette qualité-là. Et ils prennent souvent des petits appareils. Et on veut leur montrer que ben, la texture d'une gaufre, elle peut être totalement différente avec un excellent gaufrier, en fait. Et voilà. C'est un petit accessoire. C'est un très beau cadeau que les ambassadeurs reçoivent. Car en fait, un gaufrier n'est pas qu'un gaufrier ou un fer à galette. Parce qu'on a les 6x10, les 4x7, les 4x6. OK. Mais... Vous verrez, on le teste régulièrement en magasin, les gaufres fourrées, on sait faire quoi? On sait faire des gaufres fourrées, on sait faire des cornets, on sait faire tellement de choses et ça va surprendre parce que c'est toi qui me l'as appris, on fait du sucré et ou du salé. Ouais. Et ça, c'est vraiment surprenant. Donc, c'est pour ça. On va aussi montrer que un gaufrier, ça ne s'utilise pas que 3 fois par an et surtout pas cette qualité-là, on sait le faire beaucoup plus et on sait s'amuser avec ce genre de gaufrier. Alors, parce que la distribution est énorme, on terminera par les nettoyeurs, mais d'accord. Un petit... Sympa, explique-moi, parce que ça, moi, je n'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. Ça, c'est un truc tout simple pour les gens qui vont au boulot, il y en a plein, hein, on est d'accord. Et souvent, quand vous travaillez dans une grande société ou même une société à taille normale, je vais dire, ben, vous avez votre lunch le midi et vous devez le réchauffer au micro-ondes quand c'est l'hiver, c'est un peu galère parce que souvent, il n'y a qu'un micro-ondes pour plusieurs employés. Et donc là, l'avantage, c'est que pendant que vous bossez le matin à votre bureau, vous allez pouvoir simplement réchauffer votre plat
que vous aviez préparé la veille dans cette petite lunchbox. Et donc, résultat, fini la file au micro-ondes, au bureau. Ça se branche sur quoi? Alors ça, c'est tout simple. C'est une fiche classique que vous branchez à la place de là où vous branchez votre PC, par exemple. Donc votre USB. Ouais, pas USB. Pas USB. Non, une prise classique, traditionnelle. On va voir ça, si. Ouais. Donc ça, on découvrira ça avec les ambassadeurs. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir... Donc tu vois, c'est une fiche tout à fait classique, en fait. Et donc, à la place de faire recharger ton PC, tu fais recharger ta lunchbox. Et on a ça à disposition. On verra comment réagiront à ce moment-là les ambassadeurs face à ce genre de produit. Voilà. Alors, l'Oméga. Tu le connais aussi bien que moi. On a déjà fait des vidéos. Alors aussi, ça, je précise, les gens vont sûrement voir, oui, on fait une review sur le produit Oméga. On a déjà fait une vidéo sur le produit Oméga. D'accord. Mais on voulait autre chose. On voulait avoir le sentiment. Donc, explique un peu. C'est quoi le produit et c'est quoi l'idée attendue derrière tout ça? Alors, le produit, c'est un extracteur de jus. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de la beauté aussi. Oui. C'est un peu différent d'une centrifugeuse, même vachement différent par rapport à une centrifugeuse. Extracteur lent, en fait. Voilà, hein. Qui va vous permettre de garder vraiment toutes les vitamines et les minéraux. De préserver donc un maximum de nutriments dans vos jus, dans vos préparations, en fait. Alors pourquoi Oméga? Parce qu'en fait c'est une marque vraiment incontournable dans le domaine du jus et aussi parce que c'est quand même un appareil qui est quand même garanti 15 ans. Donc ça veut dire aussi c'est un gage de qualité. Oui, il y a une grande différence entre les verticaux, les horizontaux. Aussi. C'est ça qu'on discutera, on a prévu ça dans le programme, on aura même une battle entre les horizontaux et les verticaux. Voilà, ensuite il y a une différence de place, de design, tout ce qu'on a envie. Et vous verrez qu'on sait faire aussi beaucoup de choses. Tout à fait. Ce n'est pas juste du jus. Des jus verts ou des jus sucrés, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. Alors ça c'est ton petit plaisir à toi. Ouais, j'adore. Et tu as, voilà, donc Signy est souvent occupé à m'expliquer que ça c'est vraiment des produits, qu'il faut en parler parce que c'est une révolution. Explique-nous, comment faire court? C'est difficile de faire court. Hein. Difficile de faire court pour Bicel. En résumé, je dirais, c'est une marque américaine qui vend des super produits, qui va faciliter la vie de tout le monde, notamment quand on a des animaux. C'est mon cas. Donc, en gros, pourquoi? Ici, vous avez un aspirateur Smart Clean qui est en fait un aspirateur multicyclonique. Sans sac. Sans sac, tout à fait. Mais surtout avec une brosse active, comme vous pouvez le constater ici. Et alors, quand on a des animaux... C'est le produit de démo, ça, voilà, c'est le produit de démo. Quand on a en fait des animaux ou même beaucoup de cheveux qui tombent sur le sol, souvent, lorsqu'on va passer l'aspirateur avec une brosse, qu'est-ce qui va se passer? Tu le sais aussi bien que moi. Ça va s'enrouler dedans. Voilà, ça va s'enrouler dedans. Ici, en fait, c'est une brosse qui est brevetée et donc elle est anti-emmêlage. Donc, en fait, tu pourrais même aspirer des cheveux chez un coiffeur, ça ne s'emmêlerait pas autour de la brosse. Donc, et ça, l'idée de ceci, c'est de faciliter le nettoyage de tout ce qui est tapis, en fait, à la base. Même plus que tous ça. Tous les types de sols, tout à fait. Le parquet, le carrelage, mais surtout pour les gens qui ont des animaux, parce que les poils de chien et de chat, c'est juste horrible quand tu dois aspirer. Eh ben, c'est ça, en fait, aussi, l'idée du programme ambassadeur, c'est de faire découvrir aux gens d'autres produits. Alors, on connaît tous les grandes marques d'aspirateurs. Il y a une très grande marque britannique que tout le monde connaît. Mais c'est bien aussi de dire, hey, il y a d'autres choses qui fonctionnent peut-être aussi, voire même mieux, mais à utiliser. Et le dernier, ça c'est un... J'avoue, c'est mon préféré. C'est très bien ça, oui, c'est vraiment très chouette ça. On l'a testé ça, donc je peux déjà le dire à l'avance que c'est très chouette. Donc là, on est sur le CrossWave nouvelle génération Pet Pro, donc encore étudié pour les gens qui ont des animaux. Donc en fait, l'avantage de cet aspirateur-là, c'est qu'il va aussi bien aspirer, laver et sécher votre sol en un seul et unique passage. Donc ça, c'est génial. On est sur des appareils de nouveau assez premium. Hein. Ouais, on est au-delà des 290 euros. Okay, voilà. Sur celui-là, tu es à 349. Quand même. Voilà, donc il faut imaginer que tout ce qu'on vous a présenté là, c'est tous les hauts de gamme des produits. Donc là, c'est la facilité de l'entretien de tous les jours et donc pas forcément besoin de produits, on nécessite du produit ceci. Alors le produit est fourni avec dans l'emballage, donc c'est un produit qui a été fait en partenariat avec Febreze, qui est un neutraliseur d'odeur, donc idéal quand on a des animaux. Et c'est vraiment multi-surface et c'est pour ça que j'aime vraiment cet appareil-là, parce qu'on n'est pas obligé de changer d'appareil, on fait tout en une fois. On fait tout en une fois. On lave, on en inspire, on lave et on sèche. C'est génial. Donc voilà un aperçu de ce que Dalk via Frifri, Bicel, Degelin, Oméga et Simeo va offrir aux ambassadeurs pour que vous puissiez utiliser, partager. Cindy, un mot de la fin? Ah ben, on a hâte de découvrir, en tout cas c'est mon cas, j'ai hâte de découvrir vos ambassadeurs.
Vous verrez, ça va être très bien. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux produits du programme Ambassadeur des Fitech 2019-2020. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour participer au concours. C'est super simple. Vous allez sur le site, vous avez un lien vers le blog. Également, partagez ça sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !